Gilles Dall. Oui, Véronique, ce lundi 6 juin, je suis tombé sur la devanture d'un coiffeur qui disait ceci, un accueil, un dialogue, une coupe personnalisée. Formidable, un accueil, ça veut dire qu'on vous dit bonjour. Un dialogue, ça doit donner ceci, vous pouvez me prendre maintenant, oui. Une coupe personnalisée, et ça c'est vraiment génial, le mec vous coiffe comme vous lui demandez. Ce qui est quand même un concept fondamentalement novateur jusque-là, c'est bien connu, c'était la même coupe pour tout le monde, partout. Un accueil, un dialogue, une coupe personnalisée. Enfin, je préfère encore ça que les jeux de mots foireux, genre créatif, diminutif, atmosphère, capillaire. J'ai même vu une fois un faudra-tif. C'est mieux aussi évidemment que les coiffeurs conceptuels qui se targuent tous de proposer une autre vision de la coiffure. Autre par rapport à quoi ? Pff, aucune idée, mais une autre vision, comme une pompe à essence qui dirait une autre vision de l'essence, ou un déboucheur qui dirait une autre vision du débouchage, ou encore un frite-cotte qui dirait une autre vision de la frite avec une huile plus humaine à base de pommes de terre citoyennes, cultivées dans la dignité, cuites avec respect, servies avec du ketchup responsable. Bref. Le tout aujourd'hui, c'est d'être autre. Quoi d'autre, justement ? Eh bien, à ce propos, ce mardi 7 juin 2011, qu'est-ce que je lis dans la Gazette ? Que Sabine Laruelle en appelle à mener à bien une autre politique. Eh bien, voilà ! C'est là que les négociations coinçaient, mais maintenant c'est bon, on tient le bon bout, la solution, elle était là, mais simplement, on la voyait pas, il faut une autre politique. Et ce qui est rageant, c'est qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Quelle autre politique ? Je vais vous le dire. Il faut une série de mesures très concrètes qui concernent vraiment les vrais citoyens, sans exclusives, ni tabou, ni faux semblants, ni faux fuyants. Mettons-nous à table. Alors comment on s'y prend ? Eh bien là aussi, je vais vous le dire, très concrètement, on se met autour de la table, on se retrousse les manches, on prend toutes nos responsabilités, on pose des gestes forts et on dégage des solutions claires. Alors, vous allez me dire comment on y parvient ? Mais comment est-ce qu'on y parvient ? Ben, c'est tout simple, la recette tient en quelques idées claires, ne plus se cacher derrière son petit doigt. Prendre les problèmes à bras le corps, œuvrer à un débat, tout remettre à plat et refuser la fatalité. Parce que c'est pas l'intégrale Laurette Uncle. Dans quel but ? Eh bien là aussi, je vais être très clair là-dessus, très concret, excusez-moi si je suis direct, dans le but de sortir de la crise par le haut, de donner toutes ses chances à l'avenir, d'offrir une alternative durable et d'oser le changement. Waouh ! Et voilà.